Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfong pour un nouvel épisode de We Go To Deep Deeper dans l'espadon de monsieur. De monsieur Dragnir. De monsieur Knir. Rappelez-vous, monsieur Knir. Monsieur... Ah bah non, bonjour bah, à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bien la pêche, t'as vu? Donc voilà, je vous fais une visite guidée vite fait. Un seul lit. Ok. Bon. À part le truc de l'espèce de couloir chelou de la salle de pilotage, sinon en vrai il est bien pensé ce petit bâtard. Bon, donc je suis ton pilote hein. Ça marche. C'est parti, tu nous mets tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, pour les raisons que tu veux. Je laisse le bot à l'armement. D'accord. What? Mais on va super vite, on va en vitesse 2 là. Non, vitesse 3 et l'espadon est le sous-marin le plus rapide du jeu. Ah non mais je suis en train de me coller partout moi, calme-toi. Mais c'est quoi ce pilote en mousse là? Eh moi je pilote à 1, moi je suis perdu là, c'est un speedrun que tu me fais faire. Attends, moi j'ai toujours piloté à 3. Oh le mec il est déter. Bah quoi, moi j'ai l'habitude de piloter à 3, enfin 2 en fonction de si on a besoin d'armement ou pas. Ah, on a une grotte en haut sur la droite. Donc faut que je remonte là? Faudrait que tu vas sur la droite. Essaye de passer entre les deux rochers. Il faut que sinon je remonte. Non, descends. Ah, d'accord. Bah, ok. Ouais, descends. Ouais, passe. Super idée. Oui, non, mais d'après le sonar, il y a une grotte entre les deux rochers là. Regarde si tu peux passer. Ah, ouais, ça va pouvoir se faire, mais. On risque de taper un peu hein, en vitesse 3, hein. Voilà, on prend du dégât très gratuitement. C'est des gratinures. Zblu. Hop là. Le petit piquage de nez. Ouais, en tout cas, ça va vite. Hein. C'est le speedrun, hein. Donc on fait un speedrun, voilà. Donc nous on fait la grotte. Ah, attends, c'est l'espadon quoi. C'est fait pour aller vite ce machin. Moi, c'est la première fois que je vais dessus, je comprends pas ce qui se passe, t'es gentil. Je suis en train de mourir. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. C'était très intéressant. Quoi, faut bien un peu d'action, sinon les viewers vont se faire chier. Vas-y. Après, tu sais, sur YouTube, là, ils sont là maintenant pour PUBG les défis. Hein. Là, ça y est, on sert bien à faire du PUBG les défis. Hein. Mais bon, il n'y a plus que ça maintenant. Hein. Incroyable. Hein. Une chaîne PUBG dédiée, quoi. C'est fou, ça. Ben, que veux-tu, avant c'était Minecraft et maintenant c'est PUBG. Voilà. Fortnite. Ah oui aussi. Ah bah oui, il y a Fortnite. Il y a The Need to the Fort. Vas-y, je pète des cadavres, moi je m'éclate. Hein. Okay. Par contre, l'autre qui a une épée, ça le dérangerait de tabasser des gens là? Il sert à rien. J'étais en train de me poser la question, qu'est-ce qui branle le larbin? Ouais, mais t'as une connexion toute pourrie là, moi les meubles ils se déportent hein, dans mon univers. Hein. Oh. Ta connexion est nulle. Elle est nulle. Vous savez, je suis mort. Belle mentalité. J'ai même pas regardé mes points de vie, je suis mort comme un Tardos. Comme un retard. T'as pas critiqué ma connexion. Voilà. Cool. Du carburant, t'as raison, on n'allait pas assez vite. Tu veux que je pilote la prochaine fois? Ouais, si tu veux, écoute, hein, moi je ferai rien, sympa. J'aime bien ne rien faire, c'est ma passion. Ouais, tu pourrais aller à l'armement. Oui. Ah oh, putain, maintenant je suis réduit à 9 PV pour le restant de ma vie. C'est horrible. Mais non, tu trouves. Non. Si on change de science, t'as une chance d'avoir une potion de soin. Non. Bref. Oui. Bref. À l'armement. Non, je vais pas tirer avec les canons. Moi, je vais me mettre là. Ouais. Bon, allez, on part quand vous voulez. Hein. Moi, c'est parti. La 3 de vitesse là. Ouais, bah j'arrive. Ah oui, donc il a pas de bouclier en fait ce navire de merde. Non, par contre tu peux attaquer les ennemis avec la pointe. Ah d'accord, donc d'accord, voilà tout l'intérêt de l'espadon. Merci. Ouais, vas-y, tu peux mettre au moteur. Tout le monde est à bord, ok, c'est parti. Allez, bonne journée. Allez, salut. Allez, je vais regarder ce que tu fais, ça va être génial. Ouais. À limite, tu utilises le sonar pour me dire au prochain endroit. Je ne sais pas comment se sert du sonar. Alors, tu vas sur le périscope et t'appuies sur espace. Alors, il faut peut-être que moi ce soit une tierce touche.
Ah oui, d'accord. Je sais pas, moi c'est la touche A du clavier, donc après je sais pas ce que c'est comme sur la ok. Manette. Ah oui, d'accord. Ah, c'est... C'est le sonar. Alors, il y a un espèce d'écho bulle en haut là, avant que tu descendes trop bas. Voilà, c'est quoi ça? Ouais, si tu remontes en fait, je sais pas, il y avait une espèce d'écho slash de bulle en haut à gauche. Oh, attends, j'enlève ça parce que ça me casse les oreilles. Voilà, donc tu vas en haut à gauche. Je sais pas, il me faisait l'écho d'un truc. Je peux pas passer. Ouais, bon, bah y'a rien, alors vas-y, bah tire-toi. Hein. Bah attends, est-ce que je pourrais avoir un peu plus au moteur? Moi je trouve qu'on va lentement là. Ah, d'accord. Bah écoutez, monsieur, on va essayer de vous trouver ça. Donc par contre, se dire qu'on baisse les armes, voilà, tiens, vas-y, hop. T'es en full vitesse, voilà, on prend la flotte. Je crois que nous avons une étoile de mer dans le navire. Ah bah oui, bah bien gros. Ah bah bravo, hein. Hashtag la belle mentalité, comme on dit dans le milieu, hein. Hashtag, même certains diraient même, hein. C'est exact, il y a une étoile de mer dans le bataille. Plus une fuite d'eau. Une belle grosse fuite d'eau, hein, d'ailleurs. Ah oui, ça d'ailleurs, c'est pas très pratique en fait, il y a très peu de portes coupe-feu en vrai. Ah ouais, oh putain. On a des choses à bord. On a des invités. Mais bon, peut-être que si on allait moins vite, on aurait moins d'emmerdes de mètres carrés. Je vais bientôt mourir, c'est très intéressant. J'étais content de ne pas avoir participé. C'était vraiment un plaisir non partagé. Et bien heureusement qu'il y a les bots qui assurent la maintenance. Quel bot qui assure la maintenance? Parce que dans ce cas, il faut que tu me dises lequel c'est, hein, parce que je suis pas au courant. Ah bah oui, c'est vrai, ils ont pas de clé. Eh oui, c'est moi qui a... c'est moi le bot, hein, qui assure la maintenance, hein. Tu veux qu'on inverse les rôles? Non, j'aimerais juste que t'arrêtes de défoncer le bateau, quoi. Bah, et c'est pas ma faute si on se fait agresser par des milliards de poissons. Donc j'aimerais bien que t'arrêtes de bousiller la barquelette. La petite barque dans laquelle on est. Les seuls dégâts qu'on a pris, c'était à cause des attaques, hein, répétées, hein. Aucun moment, c'est parce qu'on s'est cogné contre un mur. Je sais même pas où on a des boss. Il y en a, tiens, il y en a encore une là. Okay, est-ce qu'on a une autre boss? Il y en a une de ton côté là. Et ouais. Ouah, le gars, il a la master pièce, quoi. J'hallucine. Donc on se fait encore agresser. Juste une question, là, je vois qu'on a un embranchement à droite ou à gauche. Quand tu m'emmerdes avec ta vitesse de ces morts, voilà. Hop. Tu iras moins vite et il y aura plus de pouvoir du blast. Parce que moi j'aime le pouvoir du blast, voilà. Le pouvoir du blast, c'est m'assurer moins de travail. C'est ça qui est beau. Ne l'oubliez jamais. Bah, du coup, je peux plus attaquer les ennemis avec la pointe. Donc droite ou gauche, monsieur? Pourquoi tu peux plus attaquer les ennemis avec la pointe? Parce qu'il faut que j'ai un minimum de vitesse pour faire des dégâts. Ah, il faut vraiment que tu sois à 3. D'accord. Bah, écoute, non, pas à 3, mais ne serait-ce qu'à 2. Parce que là, bah, sinon, t'étais là, à 2, ma gueule, hein. Donc arrête de te plaindre. Pas possible. Et on a de l'écho chez toi, c'est chiant. Je vais vous mettre un procès à tous ceux qui jouent sans casque. Ah, mais je joue avec un casque, c'est ça qui est bizarre. Ah, vous êtes tous mal foutus, vous avez tous des casques à 2,40$ là. Même pas! Ça me stresse, quoi. Oh là là. Et moi, ce qui me rend fou surtout, c'est qu'en fait, je m'aperçois que les casques de gaming, plus ça va, plus c'est de la merde. Et qu'en fait, il vaut mieux t'acheter des vieux écouteurs d'iPhone et en fait, ça fait aussi bien le taf. Lol. Bon, alors, si j'allais voir sur ce radar, il ne se passe rien. Non, mais regarde, d'un côté normalement tu dois avoir une grotte et de l'autre tu dois avoir... Ouais, il y a une grotte là juste en dessous de chez toi, je pense que c'est. Et de l'autre côté il y a quoi? Rien. Bon, bah alors on retourne aller vers la grotte. Ouais, il y a peut-être quelque chose, mais c'est pas important. Et bah voilà. Eh, manque de vitesse, hein, j'ai pas pu aller assez vite. Ah, manque de vitesse. Bah bien sûr. Bah oui, le machin ne s'est pas assez rapidement éloigné du mur. Ah bien sûr. Eh, mais le papier d'abus est dans le chocolat, hein. Il répare pas la bosse, surtout qu'il était à ton poste de pilotage, ça fait absolument pas plaisir du tout. Mais je travaille qu'avec des racailles, c'est pas possible. Mon dieu. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un peu de pognon à prendre au moins? Oui, quelques pièces, mais bon. J'ai trouvé une pile, on va pouvoir aller deux fois plus vite. Sérieux? Non, mais en gros, c'est... Tu sais, ça, pendant un certain temps, ça te laisse de l'énergie sans que tu aies à mettre une barre. Du coup, tu peux laisser les moteurs à 3 et les armes à 2. D'accord. Moi, j'ai un sac à dos. J'ai chouré un sac à dalle, je suis trop chaud. Je suis un mec d'éther. Ah non, mais moi, tous les mobs se téléportent là, c'est infâme. C'est infâme. Bon, bah, je me fais défoncer ma race.
C'est bon. C'est bon, j'ai trouvé le pognon. Est-ce qu'il reste du pognon là-haut qui traîne? Non, j'ai déjà tout ramassé. Je suis sûr que tu mens. Sûr que tu me caches du fric. Bon non, c'est bon, tu m'as pas caché de pognon. Bon, on a fait un peu de thunes déjà là, hein, ça fait plaisir. J'ai plus de PV, le médecin ne veut pas me soigner. C'est le bon deal. C'est vraiment... on passe vraiment un grand moment de gaming. Tous ensemble. C'est un jeu extrêmement compétitif avec des graphismes 3D de nouvelle génération. T'as rajouté bon, quoi, tu veux retourner au pilotage? Ah, t'as rajouté une batterie ici, c'est ça? Ouais. D'accord. Comme ça, on pourrait couper les moteurs en cas d'urgence. Yep. Bon, bah, faut que quelqu'un aille au pilotage. Là, tu vas, vas-y, hein, tu t'y colles. Donc, finalement, en fait, on a une barre d'énergie en plus, c'est ça? Ouais, bah, mais voilà, temporairement. Ah, et bah voilà, c'est la merde. Ah, mais t'as vu la taille du sous-marin comparé à la taille du trou? On fout, tu te débrouilles. Moi, je suis occupé à reprendre des points de vie, je souffre. Si tu es trop pressé de partir, monsieur, du coup, je meurs de décès là. Mais non, mais le bot, il veut pas m'aider. Oh putain. Enfin, ou peut-être qu'il veut m'aider, mais je sais pas. Ah, mais on se tape un craquant là, c'est ça vraiment? C'est vraiment le projet là maintenant, d'accord. Tu peux ralentir les moteurs, s'il te plaît? Non, c'est pas possible, c'est toi qui as demandé à autant de vitesse. Oui, non, mais là, j'ai pas envie de réveiller les poulpes. Tu me dis si je nous mets à 1. Hein. Oui, bah, mets-moi 1. D'accord. Ah, ça hein. Les tue. Je pensais que ça allait réveiller. Ah bah toi, vu que tu dois mettre des dégâts de type dégâts... Ouais, non, c'est bien ce que je pensais, ça réveille les petits poulpes. Ouais, sauf si t'as assez d'impact. Mais bon, on va quand même éviter. Ah mais en fait, attends, je crois qu'on est en train de prendre l'eau chez nous. Ah ouais. Ben, c'est simple, dès que tu vois qu'il y a 5 de dégâts, c'est qu'il y a un trou. Est-ce que tu aurais la mobilité de remplacer le bot à la tourelle afin d'utiliser les torpilles afin de, je de finir peux pas le m'en servir. Boss plus vite. C'est mort. Je peux pas m'en servir. Parce que je suis à la manette et que les touches ont été bindées à la mort de ces gitans, de ces races là, dans ce jeu. Donc si tu veux, je prends le pilotage. Bah, prends le pilotage. Et tu feras le reste. Prends le pilotage alors. Parce que moi, malheureusement, je suis incomplet, monsieur. Tiens, je t'inonde un peu, ça me fait plaisir. Bon, bah, là, va falloir faire demi-tour si tu veux que je tire sur le poulpe. Y'a pas de soucis, ça arrive. J'ai dû faire quelques petites réparations, me débarrasser de quelques petits cadavres. Si vous n'y voyez ouais, pas, les cadavres, c'est pas grave. Vas-y, tu as bravo, ça rend malade. Fais ta basseille. J'ai plus que 3 PEV. Le machin me touche, je meurs quoi. Un secours. Un secours. Un secours. C'est la passion hein. Ça se fait qu'on ait de l'eau. Parce qu'ici ça fuit et que j'ai pas pu réparer, ce qui a fait que j'aille me soigner parce que le médecin fait pas son travail. Voilà, je crois que le médecin est occupé en fait à recharger mes torpilles. D'accord. Ouais, on continue à prendre l'eau hein. Bah évidemment, il y a encore un trou. Il y en a pas qu'un là à mon avis hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes qui rentrent là? Mais il est où ce trou? Moi, je veux bien le réparer ton trou de ces morts, mais il est où? Bah j'en sais rien. Je crois que c'est bugué de mon côté. Hein. Je crois que c'est bugué de mon côté là. Là y a un petit bug de mon côté. Oh, oh ici. Ah c'est bon. D'accord, ah, c'était bugué, je le voyais même faut, pas. Faut clean un peu la zone. Bon, en fait il y avait le mob qui était en train de taper dessus mais pas. C'est pour ça. Dès que la zone est clean, tu me dis je redémarre. On bouge. Ah vas-y c'est clean. Ok c'est parti. Attention, fais gaffe avec cette.
Oh mais c'est pas vrai. Est-ce qu'il t'arrive parfois de réfléchir? Bah et toi ça t'arrive d'appuyer sur la touche pour descendre? Eh bah écoute, allons-y, descendons. Go, c'est parti, on descend, pas, tu vois que je vais tirer le canon, tu sais que je vais me propulser vers le... Ouais, on est coulé. L'espadon c'est de la merde, voilà, des bisous YouTube.